na bandengo nyoso o boko disposé ba ton na bino ko landa biso o eza tolobelavie.com tozana monsieur JC Ilunga na benga kai président en direct de Grenoble to mekando ko solana parce que ba makambo za mo ebele leki actuellement na mboka na biso le 30 juin tolobeli yango te esenga ki to beta pena mo li solo pona le 30 juin to meka ko benga yena nou comme ça solanae. Oui, allô. Oui, bonjour, président JC. Bonjour, Papi Gen. Bonjour aussi à tous les amis du micro de Papi Gen, Tolobela Vie. Ok, to ben gyo poto sola mo mouke, mo analyse moko ya mo mouke kaka, le 30 juin et leki, to moni ata signe mo kote, ndenge to zelaga le 30 juin, to zo moi discours, moi nini, vraiment to zi yangote, mais par contre to mona, président de la République, na sommet outi go sangi saba président, a ke ime le 30 juin, a lobi ata e lo kote, na ibite yo etant président, étant au Kambipe, il y a IDPS, n'habitez au trouver mon dégénin au Lobani. Merci beaucoup, Papi Gen, pour la Moutouna Nayo. Moutouna Oyo et Koki ont intéressé beaucoup de nos peuples. Notre peuple est victime, il y a Makambebele, par manque de connaissances. Comme dit la Bible, mon peuple meurt faute de connaissances. Kabila la victime na minuto yo ya ignorance na yemoko munene. Kabila est ignorant de beaucoup de choses. Il prétend être un président ya mboka, un état, un pays, et le pays wana ezali na histoire na ngo. Pays wana ezali na côté où on a dit comment et c'est que ça lit de l'eau. Comme pour dire que Kabila, l'ignorance l'a tué. Faites, il y a indépendance, Oyo a oublié, célébration dans l'eau, disait la communauté, nous n'avons pas raté, parce que c'est dans nos gènes. C'est ça qui fait partie de notre pays. C'est pas même notre pays. Et chaque pays a une histoire comme la nôtre. Prenons par exemple l'histoire d'un pays tel que la France. La France, la fête nationale n'a pas mort. La France a une fête nationale qui sera bientôt commémorée le 14 juillet. Parce que le 14 juillet 1880, il y avait eu la prise de la Bastille. Et lorsqu'il y a eu la prise de la Bastille, c'était la fin de la monarchie en France. Monarchie est la Gicostila. Et la Gicostila déplace la République. Donc, pour le peuple français, il y a une fête nationale Nabango. Le 30 juin, au Kabila, on dit qu'on raté, il y a raté en gros, mais dis sur le peuple congolais, tu raté en gros, des années fête nationale de tout congolais. Là, Kabila est en train de confirmer que Azali congolais. Kabila est en train de confirmer qu'il n'est pas un congolais parce qu'il s'en fout de notre fête nationale. La fête nationale identifie chaque citoyen partout qu'il est, tout français est fier qu'on lui parle du 14 juillet, comme tout belge est aussi fier qu'on lui parle du 21 juillet. Parce que le 21 juillet, c'est aussi la fête nationale belge. Et en cette date, les rois de Montpellier avaient marqué la fête de la monarchie royale, d'une monarchie absolue, à une monarchie constitutionnelle et parlementaire qu'ils ont aujourd'hui. C'était la fin d'une époque, la fin de l'esclavagisme, la fin de quelque chose, comme tout Américain
leur pays et ils sont devenus indépendants. Mais pour tout Américain, c'est la fête nationale, la fête nationale. Et ça dit les Français, je vais dire que Kabila est à vos de la montagne. Ou bien, ce qu'on a eu à vos de la il y a Kabila, mais Kabila, tout est exclu de la nation ou de l'histoire congolaise lui-même. En faisant du pouvoir. Hier, dans l'hôtel, hier, les lois, tout le monde est dans le sommet, il y a un africain, un dictateur, un basali qui soutenir hier. Vraiment, Patrick Henne, le peuple congolais, un basali qui est dans la minute, pour comprendre que vous êtes infiltré à la haute magistrature du pays, parce que ces coups que Kabila vient de faire, il marque. Vraiment, l'accent aigu. Mais, Nakati, tout le monde a l'être beaucoup bimaï comme quoi, ils ont qui raison à santé. Mais, bah, tout le monde a raison raison à santé, n'est-ce pas, ni kasi, a bima kasi côté, qu'on a fallait pas, qu'on a pas pu ça, appeler sa raison, non? Patrick, comme tu l'as dit toi-même, et tu es en train de les justifier toi-même, état de santé à Kabila, Kabila Benika, Kajour et à indépendance, Kaka. Même pour un message enregistré qui peut exhorter la nation congolaise ou Yazali qu'on prétendre diriger. Nous savons que Kabila ne dirige pas ce pays-là. C'est juste une représentation, un type placé là-bas pour juste piller le pays, pour vandaliser et tuer le peuple congolais. Tout est bien, Yango. Mais malade Yandengue Nini Oyo, chef de l'État, dernièrement, a dû la commission de la tenue militaire. Alors qu'Aïe m'a dit que, sur la prestation de serment d'Aïe, il y a prise de pouvoir d'Aïe, Aïe m'a dit qu'on ne pouvait pas accéder à la tête de ce pays-là quand on était un homme qui avait touché les sangs et qui avait tué les gens. Mais Aïe m'a dit dernièrement la tenue militaire pour dire que Gaïe, pour ton candidat, pour ton bataille, que Gaïe, je défie tout le monde. Maladie Nini, Adelaki, Oyo, et Coca qui copie, ça y est, même pas occasion, il y a pas comment. Bon, l'être à Komaki, comme vous dites, donc on dit ma casse, il y a comment, sans qu'on soit ma casse, il y a Koloba. Est-ce que tu as déjà vu ça, Kokoma, c'est aussi une autre chose, mais Koloba, c'est un tout petit peu facile, il y a Kokoma. Donc Kabila est en train de nous saboter. Ça, c'est une affaire, ton peuple congolais. L'acte que Kabila a commis, le 30 juillet, et ça dit insulte la piste dans la Congo. Kabila est en train de nous dire que on a la carte indépendante, Ngaïde Mokorzi, Ngaïde colonisateur Nabino Yassika. Peuple congolais n'a pas dit qu'on est réveillé, Bino. Réveillons-nous. Ce monsieur a défié tout le peuple congolais, les jours de la fête nationale, il est incapable, Yakobima. Qu'on soit la moindre discours, il y a mobilisation, il y a Mokao et Azali qu'on prétend qu'on combat. Ça, c'est une insulte. C'est une façon de nous dire que vous n'êtes pas indépendant. Mais non, Kabila, nous sommes indépendants depuis le 30 juin 1960. Et cette indépendance, Kabila, je t'informe que les Alaki acquis les amis résultats d'une lutte des pionniers de la révolution, des pionniers congolais. Les papas Kassavougou, les papas Lumumba, tous ces gens morts pour les Congo, les Kalonjimou le point, ben ils sont nombreux et j'en passe. Écoutez, ces gens ont trépassé et ils ont payé de leur vie pour cette indépendance chèrement acquise. Et donc Kabila n'a pas de notion à nous donner. C'est lui qui a raté la journée. C'est lui qui a raté la fête congolaise. Parce que lui, c'est il n'a pas voulu fêter la fête nationale avec les Congolais. Il s'est retiré, peut-être il était en Tanzanie, peut-être il était dans son pays d'origine Rwanda, et on ne sait pas où est-ce qu'il était. Eh bien, ça ne pourrait pas continuer comme ça. C'est la dernière fête nationale qui passe au Congo avec lui. La prochaine sera sans lui. Voici le message que je lui adresse ce soir, depuis la France. Mais si quoi, le peuple congolais a retenu Nini
na makambo nyoso vraiment zo leka na mboka na biso peuple ya retenu nini pona surtout le 30 juin haute mesana kolekisa yango lolenge haute to lekisa yango boye siko peuple congolais vraiment a retenu nini. Mais peut-être pas Zaki maladie à solo, hein? Peut-être que voilà, tu vois qu'on allait peut militer. Mais dans le bien, hein? Oui. Bino le pouvoir naïe et si la qui depuis le 19 décembre. Ce que nous avons dit, c'est que ça, discours, ni nous avons besoin. Nous avons condamné ici. L'accord du
n'avait rien fait, donc il n'a rien fait, comme acte prouvant vraiment qu'Azali n'a tête à Mboka Lokola. Voilà, Tokomi Nabiso Nasuka, merci président JC. Je crois que tu vas encore prochainement, Ndeba Lobaka, la suite au prochain numéro. Merci beaucoup. Et nous remercions le peuple congolais qui a été à l'écoute. Bukangaka ka message au Nabi Sibino, Kabila ne vient que de confirmer ce qu'il est. Il est sans mandat, il est illégitime, il est illégal. Pourquoi? Parce que l'accord qui pouvait lui donner un petit pouvoir d'un an pour ne plus qu'organiser les élections dans les délais, et bien les gars n'a pas capté la chance. Donc ce type, c'est un infiltré plutôt, et il est à la tête illégalement. C'est un défi, mais nous devons mobiliser et dresser nos fronts pour les pousser dehors et hors de notre nation. Merci beaucoup. Merci.